Je vais appeler Martin Giurfa à nous rejoindre. Il est directeur depuis 2003 du Centre de recherche sur la cognition animale au CNRS à Toulouse. Il est le spécialiste européen et même mondial du cerveau de l'abeille. J'ai fait toute ma carrière en fait à partir de ce petit insecte. Depuis que j'ai fait ma thèse doctorale et que j'étais jeune, donc il y a bien longtemps de ça, j'ai commencé à travailler sur l'abeille parce que j'ai toujours été fasciné par cet insecte, son organisation sociale, ses mécanismes de communication, la danse, la navigation. C'est un animal très très particulier et je pense que c'est comme un puits magique. C'est-à-dire que plus on va tirer de l'eau, plus il y aura d'eau à tirer. Et c'est ça qui m'a emmené à m'intéresser à l'abeille. Et c'est vrai que quand on est sensible à toutes ces capacités absolument fascinantes de cet animal, on comprend vite que ce qui est en train de se passer ne peut pas vous laisser indifférent. Et c'est à partir de là, donc, qu'au-delà de l'engagement de recherche, j'ai pris un engagement particulier de défense de cet animal et de l'environnement.